Alors, on commence avec des barbares, encore une fois, bah, comme d'hab. Alors, franchement, je vous le dis que ce deck, il peut passer, mais j'ai pas l'habitude de le prendre. Puis avec mon émulateur qui bug à moitié, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des petits archers. On va envoyer ça devant, ça va tanker encore un peu. Et on va envoyer des gargouilles. Voilà, j'aurais peut-être pas dû envoyer gargouilles. C'est pas très grave, ce qu'on va faire, on va envoyer notre petit squelette. Ça va déranger un petit peu. Bon, pas tant que ça, mais ça a au moins un peu dérangé. On va envoyer notre petite flèche. Boum! Ça évitera qu'il nous enlève trop de vie. Et on l'a bien niqué avec nos barbares parce qu'il a pas défendu. Là, c'est magnifique, les gars. On a super, super bien attaqué. Franchement, je vous dis, il y a quand même du potentiel dans ce deck. Après, comme d'hab, hein, ça dépend ce que vous avez en face. Mais j'ai l'impression que celui-là, quoi que vous ayez en face, vous serez à peu près équilibré par rapport à la personne en face. Après, c'est sûr que si vous avez un PK, le PEKKA. Majuscule et rien à côté, tu vois, pas le mini, tu vois, enfin ouais, c'est vraiment le PK. Franchement, c'est vrai que c'est quoi que t'es, de toute façon, avec le PK, c'est chaud de putain, ça bug, c'est un truc de ouf. Attends, ce qu'on va faire, ça. Peut-être que avec de la chance, putain, mais ils sont concentrés sur ce vieux dragon, ça me saoule. Oh là là, mais elles sont connes. Non, mais elles se concentrent sur le ballon, puis après, boum, elles vont sur le dragon, c'est complètement con. Bon, eux, ils vont pas me faire riège, bien longtemps, tu vas voir. Là, ils viennent tous là, pas de soucis. Tu fais ça. Boum. Là, ça les réduit déjà de pas mal. Bon. Ce qu'on va faire, on va envoyer ça. On va envoyer ça. On va envoyer ça derrière. On va envoyer, pourquoi pas, cette merde. Voilà, donc jusque-là, on a plutôt bon. On a plutôt bon, regarde ça un peu. Regarde ça un peu. Oh là 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 là. Et on en renvoie. On en renvoie. On en renvoie, les gars. Mais putain, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Mais c'est même plus du. Oh là 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 là. Mais c'est du carnage. C'est du viol. C'est de l'inceste. C'est tout ce que tu veux. C'est du multiple meurtre là. C'est du. Du génocide. Mais ouais, c'est du génocide, les gars. Oh là 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 là. Et franchement, c'est. Oh. Je sais pas si c'est parce que le mec est nul en face ou parce que je sais pas trop quoi, mais enfin c'est bon là. Là on a bon. Franchement on a bon. Et ouais, il y a un petit potentiel. J'avoue que. Enfin, après c'est la première attaque. Hein. On va voir, on va en faire 2-3 autres. Enfin, deux autres, je veux dire. Enfin, une ou deux. Voilà, on va en faire une ou deux suivant le temps. Voilà, pour que ça dure pas trop longtemps non plus. Mais. Ah, il y a du potentiel pour l'instant. Je sais pas si. On va voir. Comme ça au moins, si on fait 2-3 attaques, tu vois, on. On a possibilité de pouvoir savoir un peu le. Suivant un peu le délire, quoi. Enfin bon, tu m'as compris. Ou presque pas. Enfin peut-être, je sais pas. Tu fais ce que tu veux de toute façon, tu me comprends, tu me comprends pas. Bah, je m'en fous. Non, mais en gros, tu vois, au moins on peut voir les différents. Je sais pas moi, comment dire, les problèmes, les avantages, voilà, les désavantages, tu vois. On peut voir au fur et à mesure. Bon, le gars avec des barbares en face, c'est vrai que ça nique un peu tout. Mais on a bien défendu. Franchement, je suis content, on a bien défendu. Je suis content. Bon, toi, tu vas pas faire chier longtemps. Ah là là. Bon, c'est pas grave. J'avais les barbares en main. Il fallait bien que je lance quelque chose. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Non, mais normalement, il faut lancer eux ou les petits squelettes. C'est parfait, tu vois. C'est franchement, ça utilise pas beaucoup d'élixir et ça le stoppe d'un coup. Ça le stoppe net. Et c'est magnifique. Ok, alors là, on a vraiment. Ouais, bon. En tout cas, on a bien défendu. C'est déjà ça. Ce qu'on va faire, c'est. Allez, mais putain, monsieur, là, tu vois, comment tu veux perdre? Enfin, comment tu veux gagner avec un vieux truc qui bug, là? Ça, c'est encore la carte graphique. De toute façon, j'en suis sûr, c'est la carte graphique, oublié. C'est la seule chose qui est pourrie sur mon ordi, quoi. J'ai tout super bien, j'ai une telle Core i7, j'ai des trucs de fou. J'ai 8 Go de RAM, tranquille. Bon, j'en ai pas 16, mais j'en ai 8, c'est déjà ça, mon petit. Et ça rame. Donc, à mon avis, ça doit être tout simplement la carte graphique. Qui est pourri, qui est celle de base, hein, donc c'est pourri. Et franchement, mais regardez-moi ça, mais. Ah là là, mais je recommence mon inceste, je recommence mon viol, les gars. Mais putain, monsieur, magnifique. Après, il y a aussi peut-être une histoire du disque dur, mais bon, il me reste quand même. Enfin, j'ai quand même 1 tera de libre sur 1,7, je crois. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ouais, non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je saurais pas vous dire qu'est-ce que c'est exactement. Parce qu'avant, ça le faisait pas, donc c'est ça qui est bizarre. Ok, alors. Hop là. Et voilà. Ah, regardez, regardez. Petit exemple. Le PK, le mec, juste un élixir. Hein. Pas plus. Un élixir. Et bim.
Vous avez vu? C'est pas magnifique? C'est magnifique, les gars. Regardez, hop, ça là. Bon, j'ai mis un peu trop tôt, malheureusement. Mais c'est magnifique. Bon, j'ai mis les barbares aussi un peu trop tôt, malheureusement. J'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas très grave, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Regarde, hop, tu mets les flèches. Boum! Tu dis tout! Voilà, allez hop, on va mettre ça. On va mettre ça. On va mettre les petits barbares. Allez, merde, 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 vite. Le petit squelette. Boum! Nickel! Voilà, là on est bien, tu vois? Ça coûte pas cher et ça défend un max. Putain, franchement, regardez, 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 il a même pas défendu en haut. Et boum! Voilà, donc du coup, j'ai eu un petit dérangement. Donc je fais une petite coupure tranquillou. Bah ouais, attends, t'imagines? J'ai eu un dérangement d'au moins, 4-5 minutes. T'imagines, je te fais attendre 4-5 minutes là? Comme ça, comme un con là. Du coup, t'es obligé d'avancer la vidéo. Bah, vraiment, on s'en fout, allez, c'est parti. Voilà, on a super bien attaqué, truc de ouf. Ok. Attends, on se prépare là, on est chaud là. Non, j'ai... Allez, donc c'est parti. On va attaquer une dernière fois. Parce que jusqu'ici, on a gagné. Enfin, je crois qu'on a eu. Ouais, on a eu une égalité sur les combats, mais bon, c'était pas maintenant. C'était quand j'ai présenté le deck. On a eu une égalité. Là, on a eu deux victoires. Donc il faut bien trouver putain le mec il avait ça ouais. Donc ouais il avait pas vraiment des troupes qui niquent de tu vois il avait pas de dragon tu vois mais lui il avait juste un dragon. J'aimerais bien avoir un dragon, une sorcière et limite un géant avec ou même un truc comme ça là. Celui-là voilà. Voilà donc j'aimerais bien avoir ça. Le combo là franchement, voir si j'arriverai à bien défendre pour voir s'il est si efficace que ça. Parce que ça serait un combo vraiment mortel je pense pour cette combo là. Je pense que ça finirait avec une égalité. Après je sais pas. Bon. Alors là par contre ça va être un peu plus coriace. On est sur du niveau 7 donc niveau à niveau. Bon. Ok donc là jusque là tout va bien. On envoie les petites gargouilles. Les petits machins. Bon, jusque là, je parie qu'il va défendre un max. Jusque là, je parie qu'il va défendre un max. Il fait rien du tout. Le mec a vraiment cru que ces trucs auraient pu défendre. Ah, bah voilà, si, il fait quelque chose. Et quelque chose de très efficace, putain de... Ah ouais. Quand même, ça m'a quand même détruit toute ma tour. Enfin, t'imagines le délire. C'est what the fuck, là. Là, c'est what the fuck. Là, j'ai bien envie de dire que c'est what the fuck. Bon... C'est déjà ça. Putain, j'ai pas de bombardier pour défendre. J'ai pas de bombardier pour défendre. Ça fait chier. Je peux vous le dire que ça fait chier. Bon, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va envoyer la pâtée. On va envoyer la pâtée. C'est moi qui ai voldé. Et on va défendre comme des pâtés. C'est qui lui? Ah, mais c'est un sorcier. Le mec a le sorcier, quoi. Le mec a le sorcier, j'y crois pas. Bon. À mon avis, je pense qu'on va défendre jusqu'à qu'on soit en... Là, je sais pas quoi faire. Ah, bah là, tu vois, franchement... ouais, une compo comme ça... Apparemment, c'est la merde. Apparemment. Donc, je sais pas. Mais apparemment, ça serait la merde. Ah ouais, effectivement, là, c'est chaud. Franchement, au niveau de défense et tout... Je vous assure que c'est chaud patate. Bon. On va essayer quand même de bien défendre. Je garantis rien. Petit squelette, arrête de bugger, s'il te plaît. Oh, ça a mis les archers, quoi. Putain, mais je crois pas. Bon, c'est pas grave, au moins ça a mis les archers, c'est déjà ça. On va mettre les petites flèches. Il a vraiment cru qu'il allait nous niquer comme ça, le mec. Ok, ce qu'on va faire, on va attendre un petit peu. Et on va envoyer du lourd. On va envoyer du lourd. Ok, jusque-là, tout va bien. On va regarder un petit peu pour la défense, comme non, c'est bon, on attaque, on est des bons, nous on attaque, on est des fous. On est des fous. Putain, ça me saoule cette... Ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Je peux vous le dire, ça me saoule grave. C'est un truc de fou comme ça me saoule. Bon. Il faudrait pas qu'il nous casse une putain de... truc là, parce que sinon on est dans la merde. C'est moi qui vous le dis. Bon. Vaut mieux attaquer là où il attaque. Au moins, on va essayer d'avancer petit à petit. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Parce que lui il a l'air d'avoir des troupes qui coûtent bien cher. Tout ça là ça coûte bien cher. Donc je sais pas ce que ça peut donner. Je sais vraiment pas du tout. Oh là. Regardez moi ça là, tout ce qu'il met et tout. Bon peut-être qu'avec ça on peut y arriver. On va lancer des barbares à la limite.
C'est quoi ce vieux truc là? Mais oh, mais putain, t'es sérieux là? Putain. Ça commence vraiment à me saouler. Ah là 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 là. Bon bah voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Il fallait bien une défaite. Mais c'était limite quand même. Enfin, je trouve quand même que. Bon, aussi, il y a l'histoire quand même de mon petit logiciel là qui. Hein? Qui fait des siennes là, qui lague un peu ce fils de. Voilà quoi. Non mais l'autre il a cru qu'il pouvait laguer comme ça et tout. Mais bon, c'est pas grave, hein, je peux pas ranger ça. Enfin, si, je peux, mais. Bon, le problème c'est qu'après, voilà, c'est un tout petit écran de merde là. Enfin bon, on s'en bat les steaks. Voilà, donc du coup. Au niveau de ça, ouais, donc voilà. Donc le mec a du sorcier, donc le sorcier, ouais, plutôt efficace. Ouais, c'est un truc comme ça que je voulais, moi justement, hein, sorcière, sorcier, c'est à peu près pareil, c'est même plus efficace, sorcier. Il a ça, voilà, ça contre, ouais, un petit peu, sauf qu'on a les flèches, du coup ça passe bien. Il a les barbares, donc ouais, donc c'est bien aussi, ouais. Il a les, ouais, il a les huttes comme ça, donc ouais, il a barbares, franchement ça fait 6 barbares d'un coup s'il lance tout en même temps. Donc c'est vrai que ça fait plutôt mal. Il a la, ouais, voilà, ça, franchement ça. Et le mec il a super bien utilisé, il a utilisé que sur mes troupes, il a pas utilisé pour niquer les tours et tout, franchement le mec super sympa. Un mec comme j'aime, tu vois, un mec qui a des couilles quoi, qu'est-ce que je te dis. Ouais, donc franchement là, on a notre deck qui peut un peu contrer. Mais encore, ça allait, hein. Franchement, on défendait bien malgré tout. On défendait super bien. Donc le dragon, voilà, le truc, le flamme là, machin là. Ouais, franchement, c'est des trucs qui peuvent nous contrer. Mais au final, on a réussi quand même un petit peu à défendre. On a failli gagner. On aurait pu si franchement on aurait fait un peu mieux. On a failli gagner et ouais. Donc voilà, on voit à peu près le deck qui nous contre un peu. Genre de déclat, surtout avec les trucs qui se balancent comme ça. C'est vrai que ça nique tout d'un coup. Voilà, donc du coup, bah voilà. Franchement, on a bien fait de faire une troisième attaque. Bon, la vidéo aura duré un petit peu longtemps. Mais au moins, tu vois, on a vraiment toutes les possibilités de combat, tu vois. Et c'est plutôt pas mal. C'est bien parce que c'est des combats qui sont passés à la file, enfin à la suite. Et il n'y a pas eu besoin de faire 10 000 combats. Pour voir les défauts et tout, et franchement c'est pas mal, comme ça au moins ça nous permet de... On a eu vraiment les deux premiers combats qui ont montré qu'il était puissant, qu'on pouvait faire quelque chose avec, et le troisième qui nous montre aussi qu'il y a quand même des faiblesses et que tu peux déstabiliser. Franchement magnifique, je pensais pas que ça se passerait comme ça. C'est super génial, franchement un deck vraiment, on va dire multitâche, hein. Franchement il défend très bien, il attaque très très bien, il peut défendre et attaquer juste après, ça le fait aussi. Il peut grignoter, en fait, ouais, il peut grignoter. Ça peut être un grignotage avec ce deck-là, franchement, magnifique. Je vous le conseille. Bah, testez-le, hein. Après, dites-vous pas, tiens, c'est la première fois que j'essaye. Hop, oh, tiens, j'ai perdu. Bon, ouais, c'est de la merde ce deck. Non, il faut tester. Il faut voir un peu comment on peut attaquer, enfin, les techniques, tu vois. Qu'est-ce que vous utilisez pour pouvoir faire un combo fatal. Voilà, donc vraiment, il faut tester les decks, hein. Franchement, hein. C'est pas on vous donne un deck comme ça et puis vous allez gagner tout ce que vous voulez. Non, c'est on vous donne un deck et vous devez savoir vous en servir. Vous devez apprendre à vous en servir, vous voyez. Voilà, moi j'ai testé juste 4 fois et ça va, je gère plutôt. Mais j'en suis sûr qu'en refaisant encore des attaques, je peux améliorer mes techniques d'attaque et ça peut le faire après. Voilà, donc je vous le conseille un petit peu. Après, vous faites comme vous voulez. Et puis voilà, donc c'est seulement le deuxième deck qu'on teste. Et encore une fois, c'est un très bon deck. Le premier, franchement, il était pas mal aussi. Il y avait du bomber dedans et tout. Il est vraiment pas mal. Bon, il y avait aussi de l'épique et tout, du dragon. Il y avait deux, trois autres trucs aussi. Enfin bon. Mais bon, malgré tout, il était très bien aussi. Et puis voilà, donc bah, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Très bonnes attaques. Truc de ouf. Allez, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Ciao tout le monde. Peace. Non, j'arrête. Faut que j'arrête. Je vole les trucs, ça m'énerve. Ouais, non, laissez tomber le pisse, on s'en fout. Allez, ciao tout le monde, ciao! Ça, c'est du deck. Un petit peu, enfin. Entre parenthèses, quoi. C'est pas non plus le deck ultime. Hein, voilà.